La chanson que je vais maintenant vous interpréter, vous la connaissez, et je m'adresse surtout à ceux qui ont vécu avec moi en 1998 l'arrivée de Laura, ma fille, avec, avec son problème neuromusculaire. Je n'ai pas attendu que Laura vienne au monde pour me lancer dans la bataille contre la maladie, contre toutes les maladies. Maladie, handicap, qu'ils soient musculaires, neuromusculaires, mais également d'autres maladies dont on parle moins, et pourtant qui sont tout aussi graves, le manque d'amour, le manque d'amitié, le manque de tolérance. En 99, j'ai écrit cette chanson que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ne connaissent pas. L'émotion est là. Elle s'appelle Pour Laura et tous les autres. Les enfants du monde entier, dont certains ne marcheront jamais. Pour ceux dont leur principal orgueil est de regarder vivre les autres du fond de leur fauteuil. Pour ceux qui ne verront jamais se lever le soleil au bout de l'horizon. Ceux qui regardent jouer d'autres enfants, qui regardent vivre normalement, mais qui les envient, forcément. Qui les envient. Comme un bon Dieu devant ses apôtres, tu viens chanter, oui je viens leur parler. C'est de l'enfant, avant tout c'est le nôtre, c'est lui qui va. On ira jusqu'au bout, jusqu'au bout. À vous qui m'écoutez, n'allez surtout pas croire que cette chanson est une leçon de morale, ou surtout que ce sont des histoires. Aujourd'hui, vous le savez, c'est rentré dans les mœurs. La souffrance, c'est presque normal. On s'en vit avec. C'est normal, on s'habille avec. Mais moi je peux vous jurer d'une chose, c'est que pour tous ces enfants-là, nous devons être les jambes, les bras, le cœur. Dans notre jardin d'amour, leur place est obligatoire. Et pour la charge héroïque du courage et de la volonté, debout, c'est l'heure. Nous sommes là pour vous, tous les
Chanter pour Laura et tous les autres.